Alors salut tout le monde, donc comme vous avez pu le voir j'ai posté un vlog. Du coup juste avant que le vlog commence je voudrais me présenter rapidement parce que c'est la première vidéo qu'il y a sur ma chaîne. Du coup je m'appelle Eva, j'ai 20 ans, je suis en licence d'anglais, en licence LLCER, anglais du coup. Et je suis actuellement en Erasmus à Maynooth University en Irlande et c'est juste à côté de Dublin. Du coup je voulais ouvrir cette chaîne pour faire un petit peu des vlogs, pour montrer, partager un petit peu l'expérience d'Erasmus et puis surtout montrer un peu à ma famille ce que je fais en Irlande et à mes amis aussi. Du coup c'est un peu pour ça que j'ouvre cette chaîne de vlogs. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Du coup la chaîne s'appellera Chacha parce que c'est mon surnom dans ma famille, globalement tout le monde m'appelle Chacha. Du coup je trouvais que c'était pas trop mal comme nom. Du coup pour les personnes qui tomberont sur ces vidéos, j'espère que les vidéos vous plairont. Et puis voilà, c'est le premier vlog d'une longue série. Du coup juste pour expliquer un petit peu, parce qu'en fait j'ai fait des vidéos sans expliquer ce que je faisais, donc là le prochain dans le vlog vous allez voir quand j'ai pris l'avion. Donc j'ai pris l'avion à Saint-Exupéry pour aller à Dublin, donc quand j'ai pris l'avion et ensuite quand je suis arrivée donc dans ma petite ville. Du coup voilà, les cours en Irlande ils rattaquent que le 31 janvier, et la semaine d'avant j'ai une semaine d'orientation un petit peu, donc de présentation de l'université et tout, mais pour le moment j'ai pas cours. Là on est le 18 quand je filme cette vidéo et je suis arrivée hier. Du coup voilà, donc c'est le tout premier vlog où je montre quand je prends l'avion, un petit peu, je raconte un peu ma vie quoi. Voilà. Du coup j'espère que ça vous intéressera. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes... Attends. Nous sommes le 16. Oui. Nous sommes actuellement le 16 et mon avion d'école... Arrête de te regarder par contre. Mon avion d'école demain. Du coup voilà, on est en train de préparer les derniers trucs. Ah, et il y a Malo. Et je suis très stressée. Lucas, t'es content que je parte? Oui, pour toi. Il va être tranquille pendant 3 mois et demi. 5 mois. 3 mois et demi, oui. 4 mois et demi plutôt. Bon bah voilà, je vais vous montrer un petit peu mes valises. Alors là, je vous montre juste un petit peu... la préparation des valises, mais je vais pas vous mentir, c'est vraiment qu'une toute petite partie parce que je les ai vraiment fait sur plusieurs jours. Alors ici il y a ma petite valise cabine, donc normalement j'avais pris une plus grosse mais en fait ça allait pas au niveau des dimensions, donc ma petite valise cabine. Et donc là on a ma grosse valise qui part en soute, voilà, avec tous mes trucs. Elle est cuche, c'est à dire que je ne peux rien ramener. Voilà, normalement au niveau du poids c'est bon, mais au niveau de ce qu'il y a dedans, je peux pas en mettre plus. On se retrouve en direct de l'aéroport avec Lulu, ouais, et ma mère. Prête à partir. Prête à partir. Alors, pas vous deux, il y a que moi qui pars. Je tiens parce que je me... Ouais, vas-y. C'est une perche. Non mais fais pas tomber non plus. En route pour l'aventure. On va manger des wraps. Lulu par contre, le cadrage. On va manger des wraps, bagels. Je peux le croquer. Et des wraps aussi. Vas-y, fais une dégustation. Je me réveille de ma première nuit en Irlande.
Donc je vais pas vous mentir, hier j'ai eu un coup de panique. Genre je me suis dit qu'est-ce que tu fais ici? Je regrette. Pourquoi j'ai fait ça? En fait c'est le fait de vivre chez une personne pendant 4 mois et demi, ça m'a un peu fait flipper. Du coup voilà, j'ai pas hyper bien dormi, il faisait hyper froid dans ma chambre. Et du coup voilà. Mais du coup là je suis allée voir la dame ce matin et ça va un peu mieux. On a discuté et là je vais aller faire les courses. Donc il fait très froid dehors, il doit faire 1 degré je pense. Du coup je vais beaucoup m'habiller et on va aller faire les courses. Vous allez venir avec moi ou pas d'ailleurs. Alors c'est ma première sortie. Donc comme vous pouvez le voir il fait froid. Et du coup je vais vous montrer un petit peu le quartier. Ça fait comme ça. C'est plein de petites maisons comme ça. Je sais pas si vous allez m'entendre. Voilà, toutes des maisons comme ça. J'adore. Je suis rentrée des courses. Entre temps j'ai mangé, j'ai fait plein de choses. Là il est 14h30. Du coup je me suis fait un petit masque. Et après je vous raconterai un petit peu mon périple d'hier entre l'aéroport et ici. Alors je vais vous faire une vidéo où je me mets mes petits produits pendant que je vous explique un peu mes péripéties d'hier. Du coup donc premièrement je mets un petit spray de chez Mario Badescu. Donc voilà. Ouh. Alors du coup hier quand je suis arrivée à l'aéroport de Dublin, j'ai vu un premier bus et j'ai dit je vais le prendre. En gros il fallait que j'aille à Eden Quay. Du coup j'ai demandé au chauffeur, il m'a dit qu'il y allait. Donc je suis montée dans le bus. Ensuite dans ce bus donc j'attendais patiemment qu'on dise mon arrêt quoi. Sauf que je voyais le temps qui passait, le temps qui passait. Donc du coup juste j'ai utilisé ça sur mes boutons. YouTubeuse beauté. C'est un produit de chez Garantia. Du coup j'attends donc qu'on dise mon arrêt, mais je vois que je passe beaucoup de temps dans le bus. Et surtout, pour combler le tout, j'avais plus de batterie. Donc je pouvais pas regarder sur mon téléphone les arrêts, etc. Donc au bout d'un moment, je demande au chauffeur si on a passé Eden Quay. Donc il me dit tout simplement que oui, on l'a passé. Du coup, voilà, j'étais très contente. Donc il me pose sur le bord de la route. Il était sympa en vrai. Il me pose sur le bord de la route et il me dit, bah écoute, prends le bus d'en face. C'est celui qui va dans l'autre sens. Et puis voilà. Donc je me suis trouvé un petit français qui a su très bien m'expliquer. Enfin il m'a dit en gros bah tiens tu vas t'arrêter là où je te dirais et tu seras plus proche et tout. Donc je m'arrête au bon arrêt cette fois-ci. Alors c'était une galère en plus avec mes valises. Il fallait que je mette ma valise dans un endroit, donc il fallait la porter et tout. Je demandais aux gens, enfin j'étais insupportable. Du coup, donc je suis arrivée à l'arrêt, donc là où il y a mon bus pour Kilcock, ma petite ville où je suis du coup. Donc j'étais à Dublin, j'ai pris le bus et ensuite je suis arrivée à Kilcock. Mais bon, c'était franchement un peu la galère, surtout avec 10% de batterie. Heureusement dans le bus Dublin-Kilcock, il y avait de quoi charger. Parce qu'après il fallait que je mette le GPS pour aller jusqu'à chez moi et sinon je pouvais pas venir quoi. Donc voilà. Alors là du coup je vous ai pas dit ce que j'avais mis, mais j'ai mis un sérum de chez Sève. C'est un sérum anti-tache. Voilà. Je mets ça. Ensuite je vais mettre ma crème pour les yeux de chez Glim. Et pour terminer, je vais tester cette crème dont je me la suis achetée exprès pour le voyage. J'ai pas commencé, c'est la Eva Clar de Duo de chez La Roche-Posay. Du coup, on va la tester maintenant tout de suite. Donc ça fait contre les boutons et anti-marque. Déjà, elle est hyper agréable, elle sent bon. De baume à lèvres donc de chez Carmex et voilà. Et du coup le masque que j'avais mis c'était le
salicylique acide 2% masque. Voilà, c'est tout pour ma petite skincare. Je sais pas si je vais vous refaire des vidéos pour ce vlog là. On verra. Je reprends le vlog un peu plus tard. Il est 21h58. Du coup je vais arrêter le vlog ici. J'ai pas fait grand chose cet après-midi. Demain je vais aller à Dublin. Du coup j'ai regardé un peu des activités que je pouvais faire là-bas. Et voilà. J'espère que le vlog vous aura plu. Bisous.